magna constantia adversus eos. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, du livre de la sagesse dont nous avons un extrait dans le commun de la messe de ce jour, les justes se lèveront avec une grande assurance contre ceux qui les auront mis dans l'angoisse, et voilà qu'ils ont compté parmi les fils de Dieu. Chers amis, saint fidèle est compté parmi ces fils de Dieu. Il partage avec les autres saints et les autres martyrs la gloire divine. Marc Roy est né au milieu du XVIe siècle dans le sud de l'Allemagne. Après des études chez les jésuites, il prit ses grades de philosophie ainsi que ceux de droit civil et ecclésiastique. Par la suite, comme cela était l'usage, avec trois autres jeunes nobles souabes, il voyagea en Italie, en France et en Espagne. Et durant les 6 ans de ce voyage, il restera fidèle à ses résolutions et donnera de grands exemples de vertu, attentif à soulager les malades dans les hôpitaux, à visiter les églises, à donner aux pauvres jusqu'à ses propres habits, et déjà sa piété était toute remise aux mains de la Sainte Vierge, dont il méditait longuement les mystères. Au retour de ce voyage, il alla se perfectionner dans la connaissance des lois et se préparer à la profession d'avocat. Docteur utriusque iuris en 1611, il fut nommé avocat conseiller à la Cour de justice d'Autriche. Mais en 1612, il renonça au barreau et fut ordonné prêtre à Constance. Moins d'un mois après, il entra chez les Capucins où il reçut le nom de fidèle. Ayant parfait ses études ecclésiastiques, à partir de 1617, il fut un prédicateur prestigieux, tout en remplissant au sein de son ordre les fonctions de gardien, c'est-à-dire de supérieur. Il déploya une intense activité parmi les catholiques de ces régions menacées par le protestantisme, surtout aux environs de Coire. À partir de 1622, il prit la tête des Capucins envoyés en mission dans les Grisons, où sa prédication fit de telles merveilles que les calvinistes résolurent de le tuer. Invité à prêcher dans une église de ce diocèse le 24 avril 1622, il célébra la messe et, après avoir donné une instruction, fut assassiné à coups d'épée. Son martyre, qu'il appelait de ses vœux dans sa mariale prière, était ainsi consommé. Parmi ses écrits qu'il a produits et qui nous sont parvenus, nous avons les Exercitia Spiritualia, qui sont un recueil de prières et d'exercices de piété dont il usait et qui furent découverts qu'après sa mort, et qui, parce qu'ils étaient d'un grand manuel préféré de la formation spirituelle des Capucins, fut traduit dans toutes les langues européennes au XVIIIe siècle. Après de nombreux miracles, fidèle de Sigmaringen, fut béatifié le 12 mars 1729 par le pape Benoît XIII, et le 29 juin 1946, il fut canonisé par le pape Benoît XIV. Ce même pape Benoît XIV souligne dans le testament spirituel de saint fidèle: « Ô foi catholique, comme vous êtes ferme, comme vous êtes inébranlable, bien enraciné, bien fondé sur la pierre solide. Dès le commencement, le monde entier vous a contredite, mais vous avez triomphé de tous par votre grande puissance. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Elle a fait plier des rois très puissants sous le joug du Christ. Elle a conduit les peuples à obéir au Christ. Qu'est-ce qui a fait que les saints apôtres et les martyrs ont subi de durs combats, de cruels supplices, sinon la foi, et principalement la foi en la résurrection? De nos jours, qu'est-ce qui entraîne les chrétiens à rejeter la facilité, à renoncer au confort, à supporter les épreuves, à souffrir une vie pénible? C'est la foi vive qui agit par la charité. C'est elle qui fait abandonner les biens présents par l'espérance des biens futurs et, en échange des biens présents, recevoir les biens du monde à venir. Eh bien, chers frères, chers amis, tant par sa vie que par ses écrits, saint fidèle nous invite premièrement à travailler à ce que notre foi ne soit pas gentille et tiède, craintive même, mais bien ferme, assurée, virile et courageuse. Appuyer sur cette foi une charité active, principalement orientée sur les biens à venir, sur l'éternité. Comme saint fidèle, n'ayons crainte d'être durs pour nous-mêmes et pleins de charité pour notre prochain.
Mais chrétiens, nous pouvons encore extrapoler d'autres leçons de cette vie de saint fidèle. Méditons et posons-nous des questions. Examinons notre conscience et voyons ce que nous pourrions amender et perfectionner. Piquerons quelque peu. Chers étudiants, le matin, après avoir expédié le café ou le thé derrière la médaille de votre baptême, avez-vous pris le temps de saluer le divin prisonnier, le confiné du tabernacle, en passant devant une église ou une chapelle? Parents qui amenez vos enfants à l'école, donnez-vous la saine et sainte habitude de faire de même. Chère et digne mère au foyer, au retour de l'école, vous arrêtez-vous dans une église pour y suivre la messe du jour? Durant les vacances futures et espérées et leur préparation, mettez-vous en premier le souci du temps et du lieu pour avoir la messe dominicale? Ou êtes-vous tellement accaparé par les défis matériels d'une location, par exemple, que le bon Dieu passe après tout cela? Éventuellement, vous êtes-vous renseigné sur un petit pèlerinage local qui permet de teinter ces temps de ressourcement nécessaires de la couleur du bon Dieu, de la Sainte Vierge ou d'un saint local dont on apprendra la vie exemplaire? Ou bien, vous contentez-vous de sanctifier le dimanche en expédiant les choses? Dans notre vie quotidienne, cherchons-nous réellement à vivre les choses sous le regard du bon Dieu, à prêcher à notre prochain par le bon exemple, sans vanité aucune? Mes frères, profitons de ce temps que Dieu nous accorde pour remettre les pendules à l'heure, pour remettre notre âme dans les mains glorieusement transpercées de notre Seigneur. Méditons à nouveau ces paroles de saint fidèle et faisons-en enfin réellement les nôtres. De nos jours, qu'est-ce qui entraîne les chrétiens à rejeter la facilité, à renoncer au confort, à supporter les épreuves, à souffrir une vie pénible? C'est la foi vive qui agit par la charité. En attendant, que Dieu nous ait à sa sainte garde, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.